Les Piker, mais en 2023, Savage Gear a décidé de faire revivre un de ses classiques qui avait disparu du catalogue depuis quelques années, le Monster Slug. Mais en même temps que le Monster Slug revient pour toutes les pêches pélagiques, et je pense en particulier à la mode du sharpshooting, eh bien, Mass a eu l'idée d'adjoindre un paddle à son Monster Slug, et ça donne ce châtel vraiment surprenant avec sa forme minot, comme ça, plusieurs tailles. Moi, je préfère évidemment la grande taille. Et en fait, ce châtel, eh ben, il est assez surprenant. Vous savez qu'il en sort plein sur le marché chaque année. Mais celui-ci, il déplace vraiment du poisson. Et ceux qui ont eu la chance de commencer à pêcher avec, eh ben, se sont rendus compte que ça déplaçait masse de fiches. Alors l'explication, je ne l'ai pas. Pour moi, ça vient principalement du fait que le paddle, en fait, émet des vibrations assez fines. Mais que cette dernière partie, le dernier tiers du leurre, ben, imaginez une plaque de métal qui se gondolerait comme ça. Tac, tac, clac, clac. Et ça pousse énormément d'eau. Et je pense que c'est ce qui fait que ça attire les poissons de très loin, ça agit très fort sur leur ligne latérale. Reste que dans tout développement de produit, il y a une part de mystère. Là, pour une raison que j'ignore, ça marche très fort. Vous verrez le colorama magnifique, il y a des tas de nouveaux coloris sublimes, très adaptés à la pêche. Comme d'habitude, le petit rattle offert que vous pouvez décider d'enlever si vous préférez que votre shad soit silent. Et évidemment, toujours un prix extrêmement cool et voilà, qualité Savage, de quoi prendre plusieurs brochets avant qu'ils vous le déchiquettent.